Goedemiddag. Goedemiddag, bonjour, and welcome to everyone to this webinar of Enable during this fully digital SDG forum. And this afternoon, we will be talking on working with the private sector in the development interventions of Enable. Mijn naam is Sabine Soetens. Ik ben private sector development and engagement expert bij Enable. En uw master of ceremony voor vandaag. Nous avons un programme bien rempli aujourd'hui et avant de rentrer dans le vif du sujet, deux aspects pratiques. Pour ceux qui ont déjà suivi des webinaires ce matin, vous savez qu'il faut double-cliquer sur l'écran pour le voir en grand. Et deuxièmement, toutes vos questions, vous pouvez les poser dans le chat. Dans n'importe quelle langue, Nederlands, Frans, Engels. On va les traduire. C'est ma collègue Anne de Deurwaarder qui s'occupera du chat et afin de pouvoir poser les questions aux orateurs. Avant de donner la parole au présentateur, je vous présente en quelques mots Enable parce que je ne suis pas sûre que tout le monde nous connaît. Enable is the Belgian Development Agency and implements the Belgian development policy in the 14 partner countries of the Belgian bilateral cooperation. At the same time, we implement multi-donor projects, major part of EU budgets, which makes that we operate in 19 countries in Africa and the Middle East. We have a budget of about 250 million euro per year, and 150 colleagues at HQ in Brussels and another 1,500 in our interventions in the partner countries. We're very happy with our new minister who arrived recently, Ms. Myriam Kittir. Dans nos interventions, il va de soi que nous travaillons dans le cadre des ODD et pour chaque objectif, nous avons développé des actions afin d'y contribuer. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver des exemples de projets en lien avec chacun des ODD sur notre site web. Sinds enkele jaren voert Enable ook projecten uit voor de ontwikkeling en de versterking van de privésector in onze partnerlanden. En dit kan gaan over het versterken van het algemene ondernemersklimaat tot het helpen van start-ups en scale-ups via de creatie van incubatoren bijvoorbeeld. Altijd in nauwe samenwerking met de overheden in de partnerlanden. En we betrekken ook steeds meer de Belgische privésector daarbij bij onze werking. En we doen daarbij graag beroep op hun kennis, hun expertise, hun netwerk enzovoort. And when talking about expertise on decent work, inclusivity and sustainability, who better than our first speaker to elaborate on that? So it is my pleasure to introduce Ms. Karen Janssens, sustainable sourcing expert at Colruyt Group. Before joining the group, she has worked in the environmental sector in international development with a focus on inclusion of smallholders in Africa, Asia and Central America, where she also lived for 4 years. Ms. Janssens will talk about our shared project on cashew nuts in Benin, a project that Enable is very proud of. After the presentation, we will take some questions, so do not hesitate to put them in the chat. Karen, you have the floor and I will share your presentation. Thanks a lot, Sabine, for this nice introduction. So as Sabine said, I'm working for Colruyt Group since February of this year, and I am coordinating the chain projects. Yes, indeed. That's the. So I will give you a short introduction about Colruyt Group for those of you who don't know the company, and then I will wrap up with a concrete example of a project we have developed together with Enable in Benin. So here you can see a photo from the beginning of the last century of Frans Colruyt, who started actually to sell some coffee and other products in the bakery shop of his parents. And he started a shop in colonial goods. Of course, at that time, sustainability wasn't at all a hot topic, neither it was very sexy. And nevertheless, Frans already incorporated some
things which you could call sustainability, like really looking very much at how to limit transportation kilometers, etc. He didn't do so necessarily because of the environmental impact, but at that time his main driver was to save costs, because he was a discounter. He wanted to offer the cheapest products to his clients. Then when so he started very small, just on his own. When his son Jo took over in 58, the company already had 800 independent shops. And then Jeff Colruyt, the current CEO, took over in 1994, and he introduced the first product line on the Belgian market via a retailer which was called at that time the Green Line. You can go to the next slide, Sabine. Can you maybe put it in presentation mode? Because I think other people see my notes as well, no? It's not a big deal, but if it's in presentation mode, it just doesn't show my notes. So I thought it was in presentation mode. My I think apologies. It's not. No, it's not. It's not such a problem. But, so in the next slide, you can see some figures of the company Colruyt Group has become. In the meantime, we have more or less 32% of market share, which makes us a big player at the Belgian level. Of course, internationally, we are quite small. And I think it's important also to understand, because if some other retailers take actions, it's sometimes different, because we are just a relevant player at the Belgian market, but not so much on international level. So you see 600 stores, 583 independent stores. These are mainly, it's our few stores in France, but it's also the stores of Spar, where we work with a model of independent storeholders. And of course, 30,000 employees. So sometimes people ask me if I know somebody at Colruyt, because they have a friend who works there. But from the 30,000 colleagues I have, I only know a very small part. Yeah, the next slide, please. So you can go to the next slide. Yeah. In here, I've added our mission, and the mission and our values. You saw on the previous slide, you will see that sustainability is really in the core of our mission. Together, we create sustainable added value through value-driven craftsmanship in retail. I think it's very important, because I think all our actions we take in sustainability and in sustainable sourcing should be understood really from a value-driven perspective. And I think it has an implication on the way we do business. Next slide, please. If you are a company, of course, you have an impact on many different parts. First of all, we are a retailer. We have a store. Eh? You can see that at the end of the picture. At the level of our store, we take certain measures. We take also certain measures with regard to the employees. What I will mainly talk about today is, because I'm working in the product department, so the three people, environment, product, it's a kind of work division we have within Colruyt Group. I work in the product department, so I look to the sustainability impact of our whole sourcing strategy. Also, before the product becomes in the shop, and also eventually if it's used by the end consumer. I think that's quite interesting, because I read a quote from Lars Moratis, who is a professor at the Antwerp Management School, and who said about the SDGs, companies should translate the SDGs to their sustainability strategy and not vice versa, as it is practiced today. And I think translating the SDGs into our sustainability strategy, that's at least in part what we try to do with our value chain approach. Okay, then the next slide is just showing the SDGs. I think it's, you can show the next slide. I think it's known for all of you. Colruyt Group was one of the SDG voices in Belgium, and we are also participating in CIFAL. And then I think in terms of impact, I will not go into detail into this, but these are the sustainable SDGs on which we can have the biggest leverage as a private company sourcing and selling consumer goods.
The way we translate this, and that's the next slide, you can see the way we translate it to consumers and to our own colleagues. It's not always via the SDGs, but it's in a more simple model via four key themes, which are health, society, animal welfare, and the environment. You also read step by step. It's also very important, I think, to highlight that we see sustainability as a journey. It is extremely difficult, I think, to bring one product on the market that is 100% sustainable from all angles of view, from a health point of view, from impact on society, sustainability. So we see it more as a process which progresses step by step. To make all this a little bit more concrete, I would like to zoom into one particular project we developed with Enable in Benin, and that's the next slide. We, up till the beginning of this year, we were sourcing cashew nuts just from all over the world, from mainly from Vietnam, from Brazil, a little bit from Benin also. And because Enable was working in Benin, was supporting smallholder farmers over there, and those smallholder farmers were involved in cashew, because the Beninese government saw cashew as a potential sector to develop, to generate some economic growth for the country, we thought it might be interesting to have a look into that. And we set up a chain with specific cooperatives in Benin, some local factories which are transforming the cashew nuts, Enable, who is supporting the local farmers and the transformers, Besana, who is the importer into Belgium, an Italian company who does also the packaging and the final quality control, and then Colruyt Group, who is selling the cashew nuts. What is this project about? It's next slide, please. It's a public-private partnership in which the aim was to shorten the chain from the cashew nuts, because it might seem very strange, but most, I think actually more or less 90% of the cashew nuts produced in Benin, and Benin is quite a big producer worldwide, are processed elsewhere. They are exported to Asia, to Brazil, where they are processed, and then they are exported again to Belgium or to Europe, or to Japan, to wherever, to be consumed. So of course, from a logistic, but also from an environmental point of view, this does not make a lot of sense. So we wanted to make the chain shorter, also with the explicit aim to increase local job creation. We buy 300 tons of finalized products. That's more or less 3,500 tons of raw cashew nuts. As you know, it's like a fruit of which the cashew nut is only a very small part. So that's why there is this big difference. There are around 860 farmers involved in this chain who are part of 100 cooperatives. To the next slide, please. And if I then try to link the impact of this project to the title of our session, then I think with regard to job creation, of course, the fact that it's not only that you create added value at the level of Benin, because the nuts are processed there, but also in the processing factory, that this creates lots of jobs for around 800 people, mainly women. We supported together with Enable the local processor to get social certification, etc. With regard to inclusivity, we work, as I mentioned, with smallholders. So these are farmers who have difficulties accessing international markets, especially having difficulties to get involved into dedicated and transparent chains. So in this value chain, we really try to look for win-win situations between all actors. Certainly also placing the smallholder in the center. You have the added value creation in Benin. And I said the people aspect, we put it again into the trading relationship, into the value chain. I think it's very important today in global commerce. Very often you have a buyer who is sitting behind his desk, behind a computer, and is buying things when the prices are low without having any idea of the people on the other end of the chain who are producing the goods.
When we are developing a chain project, and this is only one, we have for the moment we have 8 chain projects, which we have products and selling projects within Shopsoft Colruyt Group. You really know all the people of the chain, and I think it's very important, this personal connection also between the buyer and the people who are sourcing, but between all the producing and also between the with the people who are sourcing. And last but not least, also on the environmental aspect, I think this is a win, because the product footprint, because you take out one step or you do the transformation locally, you save a lot of CO2. We also have plans to look at the impact of the packaging and improve the ecological footprint of the packaging. This is the nice side of the story. The last slide to end with, I mentioned a few challenges, because these chain projects are also often a challenge. We can obtain good results, but it's also hard work, and it's not always without problems or without obstacles. The first problem was one we encountered recently in this specific chain. So we have already the first batch, we bought it, it went very smooth. And now buying the second batch, we had some side selling by the farmers. So which will mean that in the end, we had to buy second quality cashews and not the full 100% of the cashew nuts. We were not able to source the full 100% of the cashew nuts from the cooperative we are working with. This has, of course, to do with communication, with transparency. I would say it's at the moment, this is something which happened quite recently. It's still not 100% clear how come this happened, but we are working on it. We had already very different meetings with the cooperative, and we are planning to improve the communication and the transparency in the chain. Pre-financing. It's also linked to the side selling. Why the side selling happened? Because farmers often need direct cash, and then it's very attractive for them to sell their harvest to the buyer who is passing by, rather than to another buyer to whom they may be committed. Also, even if this other buyer might offer a little bit more, quick cash is often interesting. And liquidity and cash flow is often a problem at the level of the cooperatives and at the level of the transformers. And then the last one, although we already buy 300 tons, it's a considerable volume, I think, also in terms of income generation for the farmers, it's interesting. But I think it would be even better if it's not all the cashew we sell. For instance, the organic cashew is not yet from this chain project, but that's certainly an ambition. We would like to help the farmers to get organic certification, so also to be able in the future to source our organic cashews from the same project and to scale the impact. I think that was all for me. We, as I said, we have other projects which have the same logic. And if you are interested, please feel free to contact me. It will be my pleasure to discuss this further. Thank you, Karen, for this very interesting presentation. And as I said, Enable is very proud of this cooperation with Colruyt, and we mention it wherever we can. I just want to remind you that you can put your questions in the chat, and Karen will be more than willing to answer some. While you think of some great questions, I have one for you, Karen. Mm-hmm. Now working with Enable in what we call this public-private partnerships, mm-hmm. the officially working together, how do you see the role of both partners, so the public and the private, and what are actually the advantages, according to you, of working with a public partner like Enable? Mm-hmm. We need partners like Enable because we, as a retailer, I think there is an evolution. We buy and sell products. I think if I would put it a little bit black and white, then until maybe 5 or 10 years ago, we looked at it much more like we buy, or even the buyers were really buying, for instance, in the case of cacao, they were just buying chocolate tablets.
They were negotiating with a supplier who makes chocolate tablets, not even the Barikalabouts or the Puratos, but still the step after in the chain. Didn't know maybe a lot about the challenges of the farmers, and certainly didn't really know where it exactly came from. Today we are in a different situation, I think, and one of our strategies to make our sourcing policies more sustainable is to develop these dedicated chains where we connect, where we know all the partners. Of course, our speciality and our role is also, I think, to buy the product at good conditions, to inform the partners in the chain about the quality requirements we need or our market demands, because it's a very subtle equilibrium between paying a good price, investing a lot in the chain, and also selling enough of the product. You should sell enough of the product also to have an impact. If we can have an impact on 800 farmers, it's because we sell lots of cashew nuts. So that's a very difficult equilibrium. That's our role. Our role is also to inform the partners about the market requirements in Belgium. We need other people to support the farmers on the ground. And I think that's a role Enable is taking up very well in this chain. You are there, you make the farmers, you help farmers becoming more professional, more demand driven. I think we can help because also private sector has an expertise, but I think you need somebody, a coach on the ground, and that's a role you're taking up. Sometimes we also work with NGOs. They can also be the local facilitator. That works also fine. I think an added value working with Enable is that you do not only have good contacts with the cooperatives on the ground, but you also have good connections with the local government. And of course it makes sense, and this project is a part of a bigger vision of the Beninese government to really make cashew one of the motors of development. It's the second most important crop after cotton for Benin. So due to the fact that you have a close collaboration with the government, you can also ensure that there is what they call in the jargon, enabling environment, that maybe the roads from these cashew producing regions are well maintained, and that different aspects which we as a retailer from Belgium could never work on, the randvoorwaarden, I forgot the name in English, that they are fulfilled. Right. Okay. I'm thinking of the translation, but I can't find it either. But yeah. It will come. Mm-hmm. Okay. I think I have one question in the chat. Maybe others will follow, but I'll take this one for you, Karen. Does Colruyt also produce juice or something else from the fruit in order to prevent food waste? Somebody already has asked me this question when we, in another presentation on cashew nuts. I learned then that you can make a delicious juice from these fruits. We do not produce it. We are not a producer. For coffee, we are kind of involved in the value chain, for meat as well, but for juices, not. We are just a buyer. So we certainly do not produce, and we wouldn't produce it. What could be an idea, but it's not yet the case, is to look if there is interest for the export market. But currently we didn't look for that. I know that we work with two processors, and one of the processors is producing a juice, but for the local market. And I also want because of this suggestion, to make just another small remark. We look at export strategy not as the ultimate goal, but as a diversification strategy for the farmers. I think often an export market is really very challenging. Quality requirements are extremely high, and sometimes it's just not worth return on investment. So I think then for each case, we always look, is there a demand in the local market, and can this strategy for the farmer complement their strategy actually? And then often the export market is one of the diversification strategies they have. Right. Okay. I think we'll have to end it there. Karen, if your questions don't get answered in the chat during the interventions, we'll make sure to provide you with an answer after the webinar, so do not hesitate to post your questions. Karen, thank you again, and keep up the good work at Colruyt. Yeah,
You're welcome. Voilà. I'll stop sharing. All right. Maintenant, j'aimerais passer à la présentation suivante, celle de Galère Chocolaterie. Nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Vicente Balseca avec nous, qui est socio-anthropologue et Ethical and Sustainability Project Manager chez Galère. Il est en charge du basculement de Galère vers 100% cacao fair trade et il coordonne les projets durables en Belgique et en Côte d'Ivoire. On aurait dû aussi avoir son collègue, M. Maxime Valéran, qui est le CFO de la chocolaterie, mais apparemment, il a des soucis avec son micro et son son. Donc, voilà, M. Balseca s'occupera de la présentation entière. Vous m'aviez demandé de présenter une petite vidéo aussi. Je le fais tout d'abord ou vous voulez d'abord dire un mot? Non. Enfin, on peut commencer par la vidéo et d'accord. Je me présenterai ensuite. Espérons que ça marche. Oui, on croise les doigts. On croise les doigts. Voilà, voilà. Dès 2020, Galère s'engage pour un monde équitable et durable, en commençant par changer le monde du chocolat. Depuis 3 siècles, notre économie fonctionne sur le rapport de force, la maximisation du profit et la recherche absolue de la croissance, considérant les ressources naturelles comme inépuisables. Les déviances sont nombreuses. Inégalités sociales, individualisme et surconsommation, océans pollués et acidifiés, terre et des eaux, réchauffement climatique, appauvrissement des sols, qualité médiocre de l'alimentation et problèmes de santé publique. La société, quant à elle, change un peu plus tous les jours. Le niveau d'éducation n'a jamais été aussi élevé et l'information aussi accessible. Partout dans le monde, les consciences s'éveillent et des gens se battent pour plus de justice, d'égalité et de durabilité. Pour plus de sens, de transparence et de vérité. Le monde de l'entreprise aussi doit s'adapter. C'est pourquoi la chocolaterie Galère dit non au rapport de force et oui à la convergence d'intérêts. Nous voulons nous inscrire dans un nouveau type d'entreprise, un modèle de gouvernance où l'humain et la planète sont au centre. Cette transformation, nous la voulons pour tous nos partenaires, de nos collaborateurs aux cultivateurs, en passant par nos fournisseurs et nos clients. Concrètement, nos premières actions, nos chocolats sont aujourd'hui labellisés Fair Trade. L'objectif, humblement permettre aux cacaoculteurs de sortir de la pauvreté extrême, faire bouger les lignes de la filière chocolat et être un exemple à suivre pour le secteur. Nous nous sommes également engagés, en collaboration avec l'Université de Liège, Fairtrade et la coopérative Vieillasso, à un vaste projet d'agroforesterie en Côte d'Ivoire pour planter plus de 50 000 arbres en 3 ans. Mesurer notre impact environnemental est aussi une volonté. Nous avons établi un plan à 5 ans pour le diminuer avec notre partenaire Yukan. Ensemble, donnons du sens au goût en croquant dans un chocolat pour un monde meilleur. Et vous alors, rejoignez-nous. Voilà, voilà la vidéo. Maintenant, je vais mettre votre présentation, si vous permettez. Oui, merci. J'en profite du coup pour me présenter en 2 petits mots, parce que Sabine l'a déjà bien fait, mais donc je m'appelle Vicente Valseca, je travaille à la chocolaterie Galère et donc je m'occupe de tout ce qui est durabilité. J'étais censé, comme Sabine l'a aussi dit, être accompagné de Maxime Moralran, notre CFO. Malheureusement, pour des raisons techniques, il ne pourra pas participer et donc je vais reprendre sa partie. Et donc voilà, je français. Ce sera plus facile pour moi, d'autant plus que je vais devoir m'adapter un petit peu à ce changement de dernière minute. Toutes les questions, parce que j'ai l'impression que ce sera plus simple pour tous. Et donc, nous pouvons y aller. Donc, oui, voilà. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Si ce n'est que chez moi. Pour la petite histoire, comme vous, le chocolaterie Galère appartenait à son fondateur, Jean Galère.
En 2008, il y a eu beaucoup de changements et un ancien de la maison a rejoint à nouveau le navire, Salvatore Ianello, qui est devenu le nouvel administrateur de Jean Galère fin 2008. Et Salvatore Ianello est revenu à la chocolaterie après un voyage de 4 ans autour du monde, durant lequel il a repensé la société, il a un peu repensé l'entreprise telle qu'il l'a connue pour en faire une entreprise, pour créer un concept, une nouvelle idée, qui est l'entreprise du 21e siècle. Et cette idée, il l'a proposée à l'équipe. L'équipe l'a tout de suite soutenue, l'a embrassée et l'a potentialisée pour construire le Galère de demain, le Galère que je vais vous présenter aujourd'hui. Et finalement, cette idée, ce nouveau projet, il vient de 3 constats majeurs. Le premier, c'est que nous sommes en train de vivre une crise sanitaire, une crise environnementale sans égale. Le deuxième, c'est qu'il y a de plus en plus d'inégalités au sein de nos sociétés. La répartition de la richesse pose question au sein de plusieurs acteurs et il y a toujours plus de disparités entre le Nord, le Sud et au sein même des sociétés dans nos pays. Et finalement, les entreprises autour de nous, la plus grande majorité des entreprises autour de nous, poursuivent la maximisation du profit. Toujours la sacro-sainte croissance. Notre conclusion chez Galère, c'est que ça, ce n'est pas tenable. On a besoin de construire un monde qui soit équitable et durable. On a besoin de construire un monde nouveau. Et Galère s'engage. Galère s'engage comment? Eh bien, en changeant le rapport que l'entreprise a à l'argent, à l'humain et à la planète. On peut changer de dia, de slide. Merci. Et ça, eh bien, nous le faisons en essayant d'adopter un nouveau paradigme. Nous voulons mettre fin, comme on l'a dit dans la vidéo, au rapport de force et passer dans une dynamique de convergence d'intérêts. Convergence d'intérêts à 360 degrés avec toutes les parties prenantes de notre entreprise. Aussi bien les producteurs de cacao, nous sommes une chocolaterie, que nos consommateurs, que nos partenaires, comme Colruyt d'ailleurs, ou l'ensemble de la société, comme par exemple les personnes plus marginalisées qui n'ont pas accès à l'emploi, ou la prise en compte de nos externalités négatives sur la planète. Positif, s'il vous plaît. Merci. Et donc ça, nous le faisons comment? Eh bien, avec notre stratégie des 4 P. Et finalement, le P de purpose, notre raison d'être, qui nous sert d'arbitrage et qui va guider notre décision, guider notre stratégie et tout ce que nous allons faire durant les prochaines années. Et notre stratégie, notre raison d'être, pardon, c'est quoi? Eh bien, c'est, on peut changer de diapositive encore. C'est d'incarner dans le monde du chocolat une approche entrepreneuriale équitable et durable. Je dis bien pour bâtir un monde équitable et durable. Et ça, c'est bien au-delà de notre mission, bien au-delà de notre vision. C'est vraiment la nouvelle raison d'être, la nouvelle raison d'exister de l'entreprise Galère, de la chocolaterie Galère. À partir de 2018 et pour les années à venir. Concrètement, comment est-ce que nous nous sommes engagés pour réaliser cette raison d'être? Premièrement, nous nous sommes engagés envers notre personnel, ces personnes qui sont à la chocolaterie depuis plusieurs années. Et nous allons maintenant adopter un nouveau mode de management, un mode de management qui est collaboratif. Ce mode de management essaie de réduire, de faire tomber la hiérarchie classique, la hiérarchie pyramidale telle qu'on la connaît, pour nous baser sur un système qui est inspiré sur l'holacratie et qui fonctionne par cercle, où les différentes personnes qui sont concernées par une décision, qui ont des compétences liées à une thématique, se retrouvent pour prendre une décision qui les concerne tous et pour lesquelles tout le monde peut participer. Ce n'est plus les cadres, la direction qui dicte ce qu'on va faire, mais c'est les personnes concernées qui prennent leurs décisions et qui deviennent acteurs de leur propre activité. Autre engagement que nous avons, prochaine diapositive, nous nous engageons envers nos consommateurs.
la tri qui est en train de faire un audit de toutes nos recettes existantes et qui maintenant travaille aussi pour nos recettes futures. Par les personnes qui vont manger un chocolat galère. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce que nous avons la conviction, je dis bien la conviction, que nous ne pouvons pas créer le changement, que nous ne pouvons pas faire bouger les lignes, que nous ne pouvons pas aller dans un, construire ce monde équitable et durable que, auquel nous aspirons. Le consommateur devient un consomme-acteur. Et donc, nous avons vraiment besoin de ça, d'être reliés finalement à notre base, aux personnes qui apprécient notre chocolat pour son goût historique et maintenant pour le sens qu'il y a derrière le projet Galère, derrière le fait de manger un chocolat Galère. Autre engagement, auditer nos produits, l'ensemble de nos produits, depuis la production de nos matières premières jusqu'au consommateur, pour évaluer quel est notre impact environnemental. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode PEF, promue par l'Union européenne qui se veut holistique, globale. À travers celle-ci, nous mesurons non seulement notre impact carbone, mais également 16 autres indicateurs qui nous permettent d'avoir une vue globale sur notre impact environnemental, premièrement, et sur les différents leviers que nous pouvons actionner afin de le réduire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à cette méthode, à la chocolaterie, d'ici les prochaines années, donc d'ici à 2025, à réduire notre impact environnemental de 25%. Comme je l'ai dit, nous nous engageons aussi envers les producteurs. Nous avons fait le constat à la chocolaterie énorme au niveau de la filière du cacao. Finalement, ce n'est plus un secret pour personne qu'il y a des soucis au niveau de la rémunération des producteurs, au niveau de la viabilité de leur activité, qu'il y a de nombreux soucis également en termes de conditions sociales. Nous avons décidé de nous investir, de nous impliquer là-dedans et de mettre un terme à cela. Qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons premièrement décidé de certifier 100% de notre cacao sous les conditions du standard Fairtrade que vous pouvez voir à l'écran. Et au-delà de ça, nous avons aussi négocié avec nos partenaires pour créer une seule qui est notre flux financier. Nous avons lié un partenariat fort avec une coopérative, Yeyasso, en Côte d'Ivoire, afin de leur permettre de se développer, de les soutenir et également de créer des relations qui sont fortes entre nous. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement important pour nous à la chocolaterie, c'est d'avoir une connexion directe avec le terrain et avec les gens. Et grâce à cela, nous avons pu construire d'autres... Et nous allons pouvoir finalement participer à un processus commun d'empowerment. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans notre stratégie et dans notre but d'avoir un impact réel sur le terrain. Trouver Yeyasso chez Galère, c'est toujours la diapositive précédente. Sabine. Enfin, voilà, merci. Comment est-ce que nous avons fait pour trouver Yeyasso? Eh bien, nous avons été mis en programme d'Enabel qui soutient les coopératives. Et donc, nous avons sélectionné une coopérative qui avait été coachée par Enabel, par le TDC, qui nous a de capacité et d'organisation pour pouvoir accueillir une collaboration comme celle que nous envisagions. Bien sûr, avec le TDC était essentiel parce qu'ils ont pu nous garantir d'avoir un partenaire qui est fiable et avec lesquels nous avions des objectifs communs. Et suite à cette première collaboration, on peut changer de diapositive, nous avons lancé
le projet People Planet and Coco. People Planet and Coco est un projet que nous avons présenté à l'appel à projet qui avait été lancé par le Business Partnership Facility, enfin par le fonds Business Partnership Facility. Nous menons en partenariat avec l'Université de Liège, la faculté de Jean Blou, un groupe biotech de la Saône, près de Belgium. Et ce projet a pour objectif de conforter. Durant notre étude sur la situation du cacao, nous sommes aussi arrivés à la conclusion qu'il y avait des problèmes point de vue environnemental et que une de ces problématiques pouvait être résolue via des pratiques plus durables, des pratiques culturales, des pratiques d'agriculture plus durables en utilisant des techniques agroforestières par exemple. Nous nous sommes donc lancés dans ce projet qui a trois objectifs. Bah, premièrement, restaurer la valeur écologique du cacao en réimplantant de la biodiversité, en réintroduisant de la ce faisant en permettant aux producteurs de diversifier leur plantation, les essences avec lesquelles ils travaillent, et donc en permettant aux producteurs d'avoir des revenus supplémentaires et d'atteindre ce living income, ce revenu décent auquel nous aspirons. Et finalement, avec le partenariat de Fairtrade Belgium et de Fairtrade Africa, nous travaillons à l'empowerment des femmes pour leur permettre de reprendre confiance en elles, premièrement, et de devenir des acteurs dans leur communauté, premièrement, et dans les activités économiques que nous mettons en place. À travers ce projet, nous essayons vraiment d'avoir une vue, un impact systémique et global, dans lequel nous essayons de améliorer les conditions sociales d'une part, restaurer l'environnement et la biodiversité d'autre part, et finalement d'améliorer les revenus des populations, des producteurs. On peut passer à une dernière diapositive. Et finalement, nous venons de lancer, ou nous sommes plutôt en train de lancer un nouveau projet. Dans le cadre de Beyond Chocolate, qui est une initiative lancée par le gouvernement qui regroupe tous les acteurs du chocolat en Belgique. Et c'est une initiative extrêmement intéressante parce qu'elle est multipartite. Elle réunit aussi bien des acteurs du secteur public, du secteur privé, comme Galère ou d'autres, des acteurs du secteur associatif et des acteurs du secteur académique. Donc, il y a vraiment tout l'univers du chocolat qui se retrouve là-bas. Et nous avons décidé avec plusieurs partenaires, donc avec Yayasso toujours, notre coopérative partenaire en Côte d'Ivoire, le Trade Development Center, qui est cette filiale des Nabel. Nous avons lancé un projet visant à aller plus loin, à pousser plus loin la coopérative. Qu'est-ce que nous allons faire concrètement ? Eh bien, nous allons leur permettre de développer des cultures biologiques en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il y a quelques coopératives qui se sont initiées, mais c'est encore quelque chose. Et donc, nous allons travailler avec la coopérative Yayasso pour leur permettre de développer ce type de pratiques biologiques plus durables. Nous allons aussi travailler à l'amélioration de la qualité des fèves de cacao via la fermentation, les process de fermentation, de sorte à avoir un produit qui soit meilleur et qui puisse aussi se négocier à un meilleur prix sur le marché du cacao. Pour ce faire, nous adoptons une approche systémique et nous avons vraiment énormément de coaching, aussi bien par l'Université de Gand que par le Trade Development Center qui va encore envoyer un de ses coachs pour travailler sur l'accès à de nouveaux marchés, la structuration, plutôt la structuration de l'approche marketing de la coopérative, etc. Et ici aussi, nous avons un focus spécial sur la problématique du genre.
ou le gain en capacité plutôt des femmes de la coopérative. Et donc voilà, ici, je vous ai fait un peu une vue globale. J'ai voulu vraiment présenter la chocolaterie Galère parce que nous avions une histoire aujourd'hui pour nous impliquer dans un monde, pour nous inscrire plutôt dans le 20e. Et j'aimerais aussi profiter pour souligner finalement toutes les interactions que nous avons avec la coopération belge, avec Enabel et avec le Trade Development Center. Ici, en tant que chocolaterie, comme j'ai pu vous l'expliquer, finalement, la relation que nous avons eue avec cette agence publique, avec l'agence publique belge, est extrêmement forte et c'est ça qui nous a rapidement sur le terrain en Côte d'Ivoire. Et c'est aussi des relations, parce que c'est via nos contacts que nous avons avec celle-ci que nous pouvons aussi être restés à la page de ce qui se passe. Dernier exemple en date, nous venons de signer une lettre demandant qu'il y ait une législation sur human rights due diligence. Et ça, eh bien, c'est grâce à des contacts avec la coopération que nous avons été avertis de cette initiative, que nous avons pu nous impliquer et que nous avons pu la soutenir. Et ces échanges réguliers avec la coopération belge sont vraiment essentiels pour nous, pour pouvoir nous développer et continuer à mener à bien notre projet qui sont en synergie. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel et ça répond finalement au 17e objectif de développement durable du SDG mis en place par les Nations Unies. Maintenant, c'est tout pour ma présentation. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et je peux le faire en anglais, évidemment. Exactement. Merci Vicente pour cette présentation qui montre qui est aussi un très bon exemple d'inclusivité, de durabilité dans nos projets ensemble, dans les interventions dans les pays partenaires. J'ai remarqué que votre connexion n'était pas toujours aussi bonne, peut-être on va la laisser se reposer un tout petit peu et prendre des questions de l'audience par après. Entre-temps, j'aimerais donner la parole à notre troisième intervenant, en dat is meneer Davy Maas, die het deze keer die het niet over noten of chocolade of iets anders om te eten zal hebben, maar wel over ICT-profielen. Meneer Davy Maas is van VOCA, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Ik zal ondertussen dat even wegdoen, voilà. Hij is expert menselijk kapitaal bij VOCA West-Vlaanderen en in een vorig leven heeft hij gewerkt op het kabinet van minister Muiters rond arbeidsmarkt. En daar heeft hij ook de regelgeving rond economische migratie en single permit mee vormgegeven. En vandaar zijn grote interesse in projecten zoals PALIM, waarover hij u alles zal vertellen. Is het niet, Davy? Vergeet intussen dat u nog altijd vragen kan stellen via de chat. Dank u wel, Sabine, voor de introductie en ook voor de mogelijkheid om hier te komen spreken over inderdaad de samenwerking die wij opgezet hebben samen met Enabel, waarbij dat toch wel aantonen op dat een organisatie zoals VOCA ook wel indirect of direct kan mee de SDG-doelstellingen in feite mee kan verwezenlijken in samenwerking met de bedrijven. En dus als je naar de tweede slide gaat, misschien eerst kort iets vertellen over VOCA West-Vlaanderen zelf. Wij zijn dus een Kamer van Koophandel. Die eigenlijk meer dan 3200 ondernemingen, leden vertegenwoordigt. Wij werken om drie pijlers. Belangen van de ondernemers verdedigen natuurlijk, maar anderzijds ook ondernemers verbinden en ondernemingen versterken. En ik denk zeker rond dit topic, die versterking van onze ondernemingen, dat het verhaal rond
ja, economische migratie, dat ik later op terugkom, in feite wel kadert. Want onze doelstelling, de koer, heel algemeen, is in feite natuurlijk om onze ondernemingen, die ook leden zijn, te doen groeien. En daar probeer ik dan ook wel mijn steentje aan bij te dragen door de adviesverlening aan die bedrijven te doen. Nu, als we dan eventjes verder gaan kijken, dan zien we in feite de volgende slide effectief. Dat we in een arbeidsmarktsituatie zitten van arbeidsmarktkrapte. Ik denk, vanuit een werkgeversorganisatie vertrekken wij ook vanuit de situatie natuurlijk van vandaag. Gaan wij gaan kijken en beseffen wij, constateren wij op basis van de cijfers, dat er, als er niets gebeurt, dat er heel openstaande vacatures zullen zijn. En die zijn er eigenlijk vandaag de dag al. Als we dan gaan zien, dat is zowel in feite een kwantitatieve als een kwalitatieve mismatch. Dus in feite met onze eigen, ja, eigen reserve, als het ware, om dat zo te moeten noemen, dan zullen we er niet komen om in feite onze arbeidsmarkt te doen blijven groeien, onze ondernemingen te doen blijven groeien met voldoende potentieel, voldoende talent. Dus dan in feite kunnen we de vraag stellen van, ja, gaan we dan economische schade hebben vanwege het gebrek aan talent, of gaan we kijken naar oplossingen? Een van die oplossingen is zeker en vast economische migratie, waar wij dan vanuit FOCA West-Vlaanderen inzetten op verschillende projecten, samen met andere partners. Het gaat over het palingproject, waarover dat ik hier meer zal vertellen, maar ook over een matchproject, samen met AON dan, en het TAM-project ook met Enabel. Misschien om even dan te duiden, de cijfers, als we, want ja, ik zei dan arbeidsmarktkrachten, maar als je hier dan eigenlijk ziet, eigenlijk de groei van de vraag naar arbeid, gaat eigenlijk in, ja, bepaalde sectoren zeker en vast dalen, en andere sectoren erg stijgen. En je ziet dan in de dienstverleningssector, IT-sector, eigenlijk in de sectoren waar dat er toch wel hoogopgeleid talent nodig is, dat daar de vraag zal stijgen, ook vanwege digitalisering, technologische vernieuwingen en toepassingen, dat daar de competenties die daarvoor nodig zijn toch ook wel zullen aangepast dienen te worden. En de volgende slide zien we dan eigenlijk doorheen de jaren heen dat er eigenlijk meer en meer vraag komt naar hoog opgeleid personeel met bepaalde competenties. We moeten daar dan ook eerlijk in zijn dat we binnen Vlaanderen, binnen België, binnen Europa zelfs, dat potentieel niet meer voldoende vinden op vandaag en zeker in de toekomst zeker niet meer zullen vinden. Allee, de gevolgen onder andere van die vergrijzing en de grote uitstroom toch van het potentieel talent. Dus als we dan gaan kijken naar dat project, alleen naar de economische migratie, de waarom en feiten daarvan, is eigenlijk wel heel duidelijk voor ons dat we daar wel op inzetten. Vanuit natuurlijk een krapte gegeven op de arbeidsmarkt en ter ondersteuning van onze bedrijven. Maar we zien daar vooral een win-win situatie. Voor beide partners in feite. Een brain gain in plaats van brain drain. Het is een modewoord. Maar ik denk dat we door in te zetten op die economische migratie, dat we eigenlijk een brain gain teweeg brengen. En dat we eigenlijk een win-win situatie voor beide kanten, zowel voor het zendende land als het ontvangende land en ook voor het profiel zelf, in feite echt wel een winstsituatie gaan creëren. Dus een meerwaarde voor beide economieën als we een project van economische migratie opzetten. Want natuurlijk is al bewezen, diversiteit, dat zorgt voor innovatie binnen onderneming. Dus de onderneming hier zal daar ook kunnen doorgroeien, maar ook voor de persoon zelf is er een ontwikkeling van competenties, een versterking van de vaardigheden, waardoor dat je ook een ecosysteem gaat creëren, eigenlijk een systeem waar dat beide landen, beide economieën, maar ook de bedrijven in feite wel met elkaar in contact komen, van elkaar leren en die kennisuitwisseling, kennisversterking gaan kunnen doen. Dus in feite zien wij daar eigenlijk vanuit ook wel West-Vlaanderen al enkel maar voordelen. Natuurlijk, dat past ook in de SDG-strategie en doelstellingen. Dus vooral de 4 en 8 dat ik hier ook bij vermeld heb. Want dat zorgt ervoor natuurlijk dat bepaalde mensen, bepaalde economieën ook onrechtstreeks of rechtstreeks versterkt worden door in feite een simpele stroom van economische migratie op te zetten tussen twee landen.
Wij zelf zitten dan met Enabel en andere partners via Beahoria ook in op het Balin-project. Dat was eigenlijk het eerste project dat wij daar samen rond deden, waar we eigenlijk hoogopgeleid buitenlands talent gaan aantrekken. Dat zijn eigenlijk uit Marokko. We hebben gekozen voor een profiel junior Java-ontwikkelaars, waar dat we eigenlijk 120 talenten, waaronder ook vrouwen. En dat is denk ik wel een heel belangrijk element, dat we die vrouwen ook zeker meenemen in het verhaal en dat we daar ook over waken. Dat gaat niet over quota of zo, maar we zijn ervan overtuigd dat we op basis van competentie, talent gaan selecteren en moeten gaan werken. En daar kunnen we niet onderuit dat vrouwen en mannen daar evenveel competentie, talenten hebben. En dat we daar dan ook een mooi evenwicht moeten voor verzorgen. We hebben dan eigenlijk... We zijn op zoek gegaan in Marokko naar dus 120 talenten die al een bepaalde kennis hadden, een bepaald diploma, die al een bepaalde opleiding hadden, maar nog niet in de IT-wereld, niet in de IT-sector. En wij zijn dan zelf die opleiding gaan voorzien in Marokko. Dus tot Java-ontwikkelaar. Dus dat was de doelstelling eigenlijk, om die mensen te gaan omscholen, upskillen naar het profiel dat hier toch vaak gezocht werd, namelijk die Java-ontwikkelaars, die full-stack developers. En die opleiding was naar Vlaamse kwaliteitsstandaard. Ik denk dat dan ook een heel belangrijke is, door eigenlijk die opleiding vorm te geven vanuit VDAB, maar samen met de arbeidsbemiddelingsdienst in Marokko. En eigenlijk kunnen onze kennis, onze expertise daar rond die opleiding eigenlijk kunnen gaan overbrengen op Marokko en op de mensen daar. En dus zij zullen altijd ook wel die standaarden, die bepaalde expertise nu kunnen meenemen in het vormgeven van hun eigen opleidingen. Dus ik denk dat die kennisdeling een heel belangrijke is, zodat zij in het land Marokko dan ook wel veel sterkere opleidingen kunnen voorzien, waardoor dat die personen die daar een opleiding genieten ook versterkt worden in hun competenties. Dat ging dan zowel over technische als generieke vaardigheden, dus in feite alles wat je hier zou verwachten wat een ontwikkelaar nodig zou hebben om zijn job perfect te kunnen uitoefenen. En daarboven is natuurlijk ook een grote doelstelling van het project om bedrijven samen te brengen. Marokkaanse en Belgische bedrijven en die uitwisseling te gaan voorzien van expertise en kennis. Nu, we hebben enkele zaken natuurlijk gezien doorheen het project, wat dat enkele kritische succesfactoren toch wel zijn van dergelijke projecten. En dat wil ik hier wel eventjes aanhalen, omdat wij gemerkt hebben wat dat werkt en wat niet werkt. Wij hebben gemerkt dat er een negatieve perceptie toch wel heerst rond de term economische migratie. En migratie heeft een connotatie die niet altijd positief is bij sommige mensen. En dat moeten we ook kunnen benoemen, durven benoemen. En ik denk dat daar dan ook vanuit onze rol nog werk is om de positieve connotatie naar voren te schuiven, de good practices naar voren te schuiven, awareness te gaan creëren. En eigenlijk vooral die win-win echt wel duidelijk te gaan maken naar bedrijven. En daar vinden wij ook in dit project dat we daar een grote rol in opnemen. Een tweede groot punt van dat bepaalt of dat succesvol zal zijn, zijn de kenmerken van talent. Ik denk dat we heel flexibel moeten zijn qua profielen. Er moet vraag gestuurd zijn op vraag van de bedrijven. Dan gaan zoeken naar de profielen die beschikbaar zijn. Want de competenties, de vaardigheden, de jobs die gevraagd worden, dat varieert heel snel, zeker in deze tijd. Dus we moeten zorgen dat we doorheen een project van 3 jaar ons niet vastzetten op één bepaald profiel. En dat we daardoor flexibel zijn doorheen het project, dat we daar kunnen flexibel inspelen op de noden, de vragen van de bedrijven. Goede talenkennis is sowieso heel belangrijk. Het Frans of Engels, de kennis daarvan, is essentieel om hier bewerkstelligd te kunnen worden. Een objectieve screening van de competentie en ook wel die zichtbaarheid van die competenties, van die profielen, dat bedrijven in feite iets concreet kunnen zien van kijk, ongekend is onbemind, zijn ze dan ook van... Dat is ook zo. Dus als zij hebben niet die kennis van hoe zit dat daar in Marokko, welke soort profielen zijn dat, dus we moeten daar echt wel zorgen dat we daar ook kunnen naar voren schuiven dat die profielen effectief bepaalde competenties hebben en dergelijke. De betrokkenheid van alle stakeholders, ik kom daar ook subiet op de volgende slide ook nog op terug, dat is een absoluut belangrijk. Waarom dat wij een dergelijk project meestappen, en we hebben gezien dat in die samenwerking, en dat komt inderdaad hier ook de rol van de privésector,
Dus onbekend is onbemind terug. Als je het niet weet als bedrijf, dan is het heel moeilijk om die eerste stap te zetten. Dus daarom willen wij ook die ondersteuning aanbieden, maar wij kunnen dat niet alleen. Dus vanuit de privésector kan dat niet alleen, maar anderzijds de publieke sector kan dat ook niet alleen. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat er een samenwerking is. Niet enkel een samenwerking, maar eigenlijk een gezamenlijke uitvoering, bij wijze van spreken van het project zelf. Dus dat er eigenlijk een hele nauwe entente wordt gemaakt tussen de publieke en de privésector samen om in feite die economische migratie vorm te gaan geven. Dat is echt wel noodzakelijk naar de toekomst toe, dat dat in feite in tandem gebeurt. De PPP-samenwerking, publiek-private partnerschappen in feite opgemaakt worden, om eigenlijk die inclusie te gaan creëren en innovatie binnen onze onderneming te gaan stimuleren. Maar eigenlijk zie je dan ook, en een keer dat die mensen hier zijn, dus die zijn hier te werk gesteld, die doen ook terug opnieuw extra competenties, extra vaardigheden op, die ingezet kunnen worden, ofwel verder hier in een situatie, in een dagelijkse context, in een bedrijf, in een dagelijkse bedrijf. Maar evengoed kunnen ze die expertise en die kennis terug meenemen naar hun land van oorsprong. Wat dat vaak gebeurt, zijn projecten rond economische migraties, dat persoon vrij om te gaan en staan waar hij wel na een bepaalde periode van tewerkstelling. En dan merk je dat die kennis in het eigen land een hele grote meerwaarde biedt. En dat kan ook ervoor zorgen dat een ecosysteem creëert in het land van oorsprong, waarom dat ook die persoon een soort gevoel creëert van ja, zo kan het ook. Of wij kunnen ook op die manier extra vaardigheden opdoen. En dat kan enkel maar die SDG's ten goede komen, zodat in feite ook in het land van oorsprong het talent en de competenties versterkt worden naar aanleiding van een project. Maar natuurlijk, idealiter, gebeurt dat dan structureel, die samenwerking, als het project afgelopen is, dat wij eigenlijk samen met de publieke privésector altijd wel zorgen voor een mooie kruisbestuiving als het ware tussen beide landen, maar ook met de ondernemingen erbij, de ondernemingen die erin geloven en die good practices naar voren schuiven, net om andere ondernemingen, om andere landen te gaan overtuigen van het belang om eigenlijk zo in die wisselwerking van talent te gaan voorzien. Want de omgekeerd kan natuurlijk ook dat onze talenten hier in een ander land te werk staat worden om bepaalde andere extra vaardigheden, competenties te gaan opdoen. En zo die kruisbestuiving binnen verschillende projecten is denk ik een meerwaarde voor beide economieën, een win-win situatie voor iedereen. Dus denk ik dat heel kort gezegd is waarom dat wij dat heel belangrijk vinden. Natuurlijk vanuit de context, de bedrijvencontext, dat we er ook wel nood aan hebben, maar dat we zeker ook wel die grote meerwaarde zien op langere termijn. Dat die kennis ten goede kan komen van zowel het oorspronkelijk land, als België. En dan moeten we ook blijven stimuleren samen, hand aan hand, tussen privé en publieke sector. Dank u wel, Davy, voor deze uitleg. Het Palin-project is een pilootproject waar dat we met z'n allen, zowel privé als publiek, heel veel gaan uit leren. En dus wat je vermeld hebt, die best practices, die worden al meteen meegenomen in nieuwe projecten, hè, zoals het TAM-project dat je ook vermeldde. En dat gaat over profielen over zowel Marokko als Tunesië. Volgens jou, dit alles meenemend, welke zijn volgens jou nog pistes waarop privé en publiek of meer specifiek VOCA en Enable zouden kunnen samenwerken? Ik denk sowieso, dat is eigenlijk een eerste situatie nu waar er wel samenwerking is geweest, dat ik merk van er is nog een grote groeimarge in het elkaar leren kennen. En ook dat de bedrijven, organisaties als Enabel leren kennen binnen België, om ook te zien van wat zijn de mogelijkheden, maar dat ook samen eigenlijk structureler gaan zien van waar zit het potentieel, waar zit er talent die in feite hun talenten, competenties niet kunnen benutten in hun land van oorsprong, om die eigenlijk te kunnen inzetten in landen waar die competenties wel nodig zijn. En als we dat samen kunnen detecteren, denk ik dan er ook, nu is dat natuurlijk met Marokko of Tunesië, maar dat er ook met andere landen heel wat mogelijkheden zijn om op die manier eigenlijk terug eigenlijk een situatie te gaan creëren waar dat die mensen hun skills kunnen gebruiken in een ander land, maar ook zeker
blijven versterken en dan op termijn eventueel terugkeren en daar dan in feite hun competenties in gaan zetten ten goede van de economie en van de samenleving daar. En dat dan een hele belangrijke is dat we daar verder op die weg moeten kunnen gaan en dat daar nog heel wat mogelijkheden zijn, omdat heel veel ondernemingen, heel wat KMO's ook in feite nog de drempel te groot vinden om daar, want ja, dat is niet zomaar dat je dat doet natuurlijk, die te werkstelling komt daar heel veel bij kijken, maar net daarom, dit project, het Palin-project ook, biedt heel wat ondersteuning, heel wat ontzorging van het bedrijf zelf, omdat we net beseffen dat om die stap in feite net die drempel lager te kunnen leggen. Okay. Thank you. Well, we ran already out of time, but I'll. In the meantime, there has been a question for Galère. If your connection is well enough, est-ce que Galère va développer une gamme spécifique de chocolat avec le cacao durable, fair trade bio de Côte d'Ivoire comme ingrédient? Si vous pouvez répondre assez bref, pas seulement oui, non, mais allez-y. Marché parce que j'entends que ma connexion est pas si très si bonne. On vous entend super alors comme vous le savez sûrement tous, développer des cultures biologiques est un processus qui prend du temps. Il faut au moins 3 ans et ici avec la coopérative Yayasso, nous on prévoit, on a prévu un projet sur 5 ans pour ce faire. Comme je vous l'ai dit, chez Galère, nous voulons travailler pour la santé de nos consommateurs. Et donc, évidemment, c'est possible que dans les prochaines années, nous voulions développer une gamme. Il est très possible même que nous voulions développer une gamme biologique. Mais c'est un processus qui prend du temps. Et au niveau des producteurs, nous avons préféré d'abord travailler sur l'augmentation des revenus. Biologique. Voilà. Donc, ce sera très probablement oui, mais dans le futur. D'accord. On garde ça à l'œil et n'hésitez pas à nous informer si jamais ça se fait. Voilà. I'm afraid we came to the end of this webinar. We had 3 very interesting presentations, and I would like to thank Ms. Janssens, Mr. Balseka, and Mr. Maas again for their contributions. In case of a physical forum, we would have now given you flowers and Galère chocolates, maybe. But it's virtual, so I can only give you a big virtual thank you. I would like also to thank those who have assisted to the webinar, the ones who have asked questions. If you have any more, don't hesitate to reach out to the presenters or to myself and my colleague from Enable. We'll be more than happy to help you further. Enjoy the rest of the forum and stay safe. Thank you. Bye. Bye. Bye.